mérite l'honneur, la louange et la gloire. Le Seigneur Jésus mérite l'honneur, la louange et la gloire. Et dans le pays sans amen, merci Mingi parce que la paix s'est mise au colonalélo. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné le jour d'aujourd'hui. Et c'est mon point pour l'Ibiso parmi ma Oyoyo et Singeli, ma Bakoyoka, la parole du royaume. La joie, c'est parce qu'il nous a choisi parmi ceux qui doivent écouter la parole du royaume. Et c'est ce qui est notre grande joie. Et nous croyons que la parole est une promesse avant les temps. Nous disons que nous sommes allés la caille où était ma terre, mes amis. Et nous l'ingénions 1 Corinthiens 2, Lévis à Cabissot. Comme nous l'a dit 1 Corinthiens 2, nous allons écouter la sagesse où ils allaient qui déjà préparé dès avant les siècles. Voyons où nous avons abondi ça et où était Mikekeza. Christ et Jésus. Natatia Christ et Jésus. Donc la parole est déjà préparée dès avant. La parole était déjà préparée dès avant la fondation du monde. Et tant que nous avons cet évangile qui est aux anges. Et lorsqu'on parle de l'évangile que nous avons, Paul a zoulé dans Timothée aussi. Et Paul en parle aussi à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1er. Dans 2 Timothée. Ce qui vous a la solitaire pour témoigner. Christ et moi son serviteur. Et Paul dit à Timothée, n'ayez pas honte de témoigner le Seigneur Jésus et moi son prisonnier. Pour prêcher l'évangile, dans le bien déjà dans le verset 9. Il a dit dans cet évangile où le Seigneur a vaincu la mort. Et cette victoire-là, c'est ce qu'on appelle l'immortalité. L'immortalité. Mais le Seigneur avait cherché à vous mettre cette victoire sur la mort. Et Timothée 1, 2 Timothée chapitre 1, verset 9, au verset 9. Il a pris l'immortalité. A suivi l'homme qui l'a loi. Il a mis ça dans l'évangile. A taïsi à mon akatia sa boumala. C'est ça comme évangile éternel. Et c'est pourquoi on l'appelle évangile éternel. Donc, évangile immortel. Donc sa boumala mou o et kou fakate. C'est Dieu qui a pris cette immortalité à tienne à C'est Dieu qui a pris cette immortalité et l'a mise dans l'évangile. L'immortalité, il faut se faire sentir. La manière à vivre et à et cette victoire sur la mort doit se manifester dans notre manière de vivre. Parce qu'il y a des œuvres qu'on appelle les œuvres mortes. Oui, des amis, des impudicités, l'orgueil, le mensonge, le coutin, l'amour de l'argent, le conso et la mort, l'hypocrisie, et le gassa, le cassa. Œuvres de la chair, mais ce sont des œuvres mais l'évangile possède l'immortalité. Cela veut dire si tu reçois l'évangile dans ta vie, si tu reçois l'évangile dans ta vie, pour chasser les âmes mortelles. Dans l'évangile va chasser ce qui est de la mort. Ce que l'évangile est tourné dans ta vie. Si l'évangile remplit ton cœur, esprit va master va suivre pour moi. Et pour le royaume, il m'a commis ses périssantes. Pour nous et pour nous. Il y a pourtant la bilinga batomolum. Pour sentir que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, mon a été sali, on te commita, car si Christ au commita, katina yo. Le Seigneur a émis ce qui est Pierre. Le Seigneur avait dit à Pierre. Dans ma posée qui est trois fois Pierre, même dit. Lorsqu'il avait posé la question trois fois s'il l'aimait. Après, a eu émis ce que. Après, il lui a dit. Dans vos avant qui est jeune. Lorsque tu étais jeune. Vous avez aucun. Tu allais là où tu voulais. Hein? Le coup, le coup, et comme bien. Tu deviens vieux, c'est un autre qui descendra. Écoute comme il explique cette œuvre. Il t'amènera là où tu ne voudras pas. C'est avec tout simplement montré les œuvres de l'esprit, ils ont s'opposé dans ma œuvre. Misala ya molimo ezali kotele na misala ya nzoto. Donc nzoto na yo eza na nzela ya ngwiki. Ton corps a le chemin qu'il veut. Elingi parfois ambiance à mokili. Ton cœur aime parfois les ambiances du monde. Elingi des impudicités. Bakikomo. Mensonge. Lokuta. Via orgueil. Dans l'olendo. Mais quand la parole y est, et vous m'aimez au côté où yo yo. Mais lorsque la parole viendra, elle t'amènera là où tu ne voudras pas. Yohana, c'est ta chair.
Et toi là, c'est ta chair d'autonomie. C'est ta vie où il vous a détruit. Les amis, bon, on a essayé les bébés, ça. C'est pourquoi un fils bien averti. Il y a moi la moto, il y a eu un tonni malin, il y a un secours de Dieu. A couillé par le Seigneur, il souligne en Zambé. Place dans mon cœur la haine du péché. Et en Zambé, tiens, la moto, il y a eu un tonni malin. Parole au royaume. Que le Seigneur fasse que tu puisses toujours aimer la parole du royaume. Et je puisse la ressentir comme la parole appelle mon kumba ya popolo. C'est ça le Seigneur. Et c'est ce que dit le Seigneur. Prenez mon joug. Oso mon kumba na ngaka. Eza léger. Où est tes amis pepele? Donc pour vivre que vous sentiez sur le bano, eza léger. Donc vivre la sainteté, c'est très, c'est un joug léger pour moi. Eza mon joug léger. Mon kumba ya pepele. Donc au mot y'a vie à l'issoumo, eza passi. Donc réviser la vie du péché n'est pas une peine pour toi parce que c'est léger. Il faut sentir que vous savez dans un pays, vous savez c'est bon. Donc il faut sentir que servir le Seigneur est un joyeux service. Donc réviser de médire ton frère. Bien. Qui sent vraiment que c'est la joie que je ne dois pas parler du mal de mon frère. Je suis obligé. Et ça dit au combat à pépère. Donc il faut que tu aies manifesté dans que tu aimes le Seigneur. Cela doit se manifester en toi l'amour de Dieu. Que tu es étranger sur cette terre. Et tous amis ou pas y a awanase. Ma belle oyo, ils ont zéla yozole. Et cette terre n'est qu'un chemin par lequel tu passes. Nous allons pour proclamer les vertus à Christ. Nous allons pour s'accorder misa la malam Jésus Christ. C'est ça la mission de l'Église. Yamone musa l'Église. Yamone l'apôtre Pierre. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous avait dit. Dans 1 Pierre 2, verset 9. Dans 1 Pierre 2, verset 9. Alors, dit que vous, Musso, vous allez comme un saint sacerdoce. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, une nation sainte. Et colo et sainte. Et vous allez comme un peuple acquis. Libotao et son maman. Et vous allez appeler Yako, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Mais tout bêta ma pour tout ça pour la misa la malamou ya mon Dieu a bénabiso. Donc il faut que les hommes bénissent pour tel sa amour de Dieu. Tu dois savoir que le Seigneur t'a appelé pour manifester son amour. Au monde. Namou Kili. Zamba bénissent pour tel sa la crainte de Dieu. Le Seigneur t'a appelé pour manifester sa crainte. Ce qui est en bas, il n'a qu'à vie à sainteté. Si le Seigneur aime la vie de sainteté, monde pour moi, mon Nzela. Le monde va la voir à travers ta vie. Parce que va vertir à Christ et faire la manifester. Parce que c'est par ton canal que vont se manifester les vertus du Christ. Voilà là où la prière est allée au Seigneur. Et voilà là où la prière est demandée. Ce qui est dans mon idée, ça conforme de la parole. Si je vois que ce qui agit maintenant n'est pas conforme à la parole, na se contente de na yango ya mabewa. Que je ne me puisse pas me contenter de ces mal. Il faut croire que Christ a tout vaincu. Je dois croire que Christ a l'on la gnose. Et cet esprit qui ils ont imposé un chemin pour ma vie. Et cet esprit qui m'impose un mauvais chemin, le Seigneur l'a vaincu. Le Seigneur l'avait vaincu. Et ça l'a masqué parce que. Et ça l'a poussé pédissant. Et ça l'a vieille pudicité. Et ça l'a babicobo. Et ça l'a orgueil. Et ça l'a l'olène. Et ça l'a colportage. Et ça l'a cotonna tourna coube maman sans ma bateau. Faut l'apprendre que Christ avait dit tout est accompli. Un fils ça va être Christ en bagnon ce qu'on dit ça. Faut d'abord m'en croire en haut. Et ce qu'il n'a dit ma bongo. Et Christ a vaincu. Et que Christ a longtemps mis mon nom sur ma tête. Paul a zoné, mais ça a zoné, ça va colosser. Il les a livrés publiquement. Il est accablé à mon bon ami sur la main. Il les a dépouillés. À mon tour, à mon bon casse, à mon bon. C'est vrai, c'est ça, un fils de royaume. Il y a mon dieu à son nom, à mon bon dieu. Et il lui dit qu'il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Mais il y a quatre à mon canneuse avec mon quatre et la mise et tout. Il y a l'autre monde qui a bon homme. C'est pourquoi on avait vu dans l'homme. Sur le temps de Deutéronome 23. En lisant Deutéronome 23, t'as ici bateau, par contre, en assemblée, il y a un zambité. On a montré ceux-là qui n'avaient pas droit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Et parmi ceux-là qui n'ont pas droit de se retrouver dans l'assemblée de l'Éternel. Dans Deutéronome 23. À partir du verset 1er jusqu'à 3. À partir du verset 1er jusqu'à 3. On a cité aussi le Moabite. Lui, Moabite, a
Moabite n'entrera jamais même jusqu'à la dixième génération de la perpétuité. Mais tout le monde là, là ils ont été déchirés par Naomi. Si tout le monde a mon canal, Naomi a pas cela. Amen, Naomi. Moabite. Naomi avait pris Ruth à Moabite pour la faire entrer en Israël. Dans l'assemblée. Pour entrer dans l'héritage. Et cette entrée-là, écouta qui n'a que Naomi à l'appeler maintenant Mara. Et cet acte avait coûté à Naomi d'être appelée Mara Bololo. Andimi abondance na yenyo se sera sacrifié. Elle a accepté que son abondance puisse être sacrifiée. Okay. Rite à la compter la carte y a héritage. Oui, t'es l'outil à table à la carte y a du boulot à Yahweh. Et c'est ce que nous disons. Y a bon état sa vie pour nous. Comme nous le lisons d'abord dans l'homme. Bisso, véritable rite aujourd'hui. Et bisso, l'outil à solo. Tocotin à la héritage du Seigneur. Et nous entrons dans l'héritage de Dieu. Et cet héritage est allé victoire sur le péché d'abord. Il faut sentir dans ta conscience. Tu vas sentir dans ta conscience la remonte. Et ça la pure. Et ça la coule. Donc, on vivra d'une manière que nous sanctifions le nom du Seigneur. D'abord. Et tu vis de manière à sanctifier le Seigneur dans tes pensées. Parce que le diable a combattu les pensées. Parce que le diable combat d'abord les pensées de l'homme. Il faut combattre pensée nyonso ya mabé. Tu vas combattre toute pensée mauvaise. Et tout ce qui se Paul s'adresse au Philippiens. Dans Philippiens 4, verset 8. Dans Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui est pu. Nyonso ya mabé. Tout ce qui mérite l'approbation, qui est digne de louange, digne d'être acclamé, soit l'objet de vos pensées. C'est là-bas qu'il y a la plus grande chance. Il faut que tes pensées soient sanctifiées. Tu ne peux pas être là. Aux autres temps, la même ville. Tu marches même en ville. Mais il y a les chants du monde qui retentissent. Et c'est là en train aussi de jouer dans ton cœur. Non, ouais. Tu dois les refuser. Oui. Tu dois refuser. Comment ces percer dans mes pensées? Comment ces chants peuvent percer tes pensées? Ma pensée faisait bien ce qui. Et tout ce qui est vain ne peut pas être l'objet de mes pensées. Je dois désirer que ma marche soit pure. Je ne dois pas m'asseoir devant des choses qui ne m'édifient pas. Il faut vaincre ma bilocognon sur le miniature. Et c'est que le long habitant l'union sur mon monde. Ou s'abstenir à dire que nous sommes contraires à la parole. Et on peut qu'il s'en a mis à côté de l'animal. Et aussi pour témoigner la vérité. Au tâteau, la moisson, il y a un pas soutenir ma fausseté. Parce que aussi, Matthieu, il y a un et Dieu te garde. Ça m'a battu là. Et aussi, tout ça, l'effort dans nos maisons. Et aussi, faisons un effort dans nos maisons. Toi, prendre les enfants, cette ville-là, où est tous en arrière. Il y a un peu de savane à bon, où est tous en arrière. Nos parents, nous, quand partout, nous allons s'en mettre ensemble. Dieu, parents, cherche par tous les moyens pris ensemble avec des enfants. L'enfant apprend facilement ce qu'il voit avec ses yeux. Donc, aujourd'hui, temps, tu prends le temps, même si tu as des courses pendant la journée, cherche à avoir du temps où les enfants seront encore veillés, afin que vous priez ensemble même quelques minutes. Et puis, aie l'habitude de bénir chaque fois tes enfants. Tu as ce pouvoir. Aux alina makuki va parent. Tu es parent. Mon ayo et un impact pour la moi. Tes mots ont de l'impact sur les enfants. Aux autres d'abord dans la classe, c'est bien. Aux autres, c'est un bon. Tu envoies les enfants à l'école, c'est bien. Tu leur offres. Parfois, tu les locaux pour aller. Parfois, tu les achètes des bois. Mais où est l'équipe? Mais ce qui est plus important, mais ce que tu lui dis, va et réussis au nom de Jésus-Christ. Que les mal qui est devant toi ne puissent pas t'atteindre. Et tous les pièges de l'ennemi échouent. Malheureusement, les amis ont tout pour la vie sur la que tu puisses le dire à tes enfants.
qu'ils puissent entendre de ta bouche. Très important. Les animaux tous les jours. Ils aiment pour la yoga. Azalaki ceux qui bannent en aïe bakéi rencontrent quelque part. Il était là si ses enfants vont à la fête quelque part. Yaki kani pour offrir pour ses enfants. Lui restait là pour sacrifier en faveur de ses enfants. Et c'est ça les parents. Il a donné vos potes, il a sauvé les animaux. Il va se rendre aussi aux anamois à moi si l'ongola est la vie à magique tricot, baroque tricot. Tu as une fille, une fillette, il ne faut pas lui donner des jupes. Même si tu es dans l'église. Même si tu es ici dans l'église. Il faut qu'éviter qu'on a ta bilamba pour les autres kangaï, on nous autres aussi. C'est bien qu'il faut qu'on y a pour la ta et la maison kango, tout le monde y a moins. L'inga ou pe sans en benayo valeur. Désir donner de la valeur à ton Dieu. On l'a ta dit manière, il y a pour les autres pe sans en benayo. C'est très important. Il faut te vêtir d'une manière convenable qui donne gloire à Dieu. Et ma sœur, on va se la ta mingi, ma jibi, à me pousser. Et les sœurs qui portent la plus que toutes les jupes au-dessus des genoux. En tout cas, au Tikayango. En tout cas, abandonner ses jupes. Au Tikayango, parfois, si vous avez raté, tu vois, on va mettre la mission à bateau. Parfois, si tu écoutes, on viendra te blâmer en public. Et parfois, il faut déranger, mais c'est pour ta répandance. Et parfois, ça va te déranger, car ces animaux vont la beauté. C'est mieux que vous en attendez deux jupes. C'est mieux que tu aies même deux jupes. Mais un moulaï. Mais qui sont des longues jupes. Qui couvrent bien ton corps. 50 mais elle est poussée. Que tu en aies 50 mais de courte. Aux en âge parfois 19 ou 20 ans. Tu as parfois 19 ou 20 ans. Tu as ta jupe à moi à 11 ans. Mais tu portes des jupes de filles de 11 ans. Pas à 11 ans, pas ça. Il y a des filles de 11 ans dans l'église. Descends ma jupe pour moi. Donne-le-leur. Et pas un abango et pour les genoux. Chez les filles de 11 ans, ces jupes vont dépasser les genoux. Bible, ça va bien sur la tête. Et il faut qu'on s'en a dans titre 2. La Bible nous dit dans titre 2. Dans un TM, ce doctrine à l'extérieur qui convient à la sainteté. L'Ibanda ou l'Ongo Bani dans le centre. C'est la parole. Les amis, nous m'entendons. Il faut l'Ibanda et le centre tel ça. Il faut qu'il y ait un extérieur qui convient à la sainteté. Les bijoux. Les bijoux. Les mèches. Ce n'est pas la nature. Une fille de Dieu. Les amis, on l'a dit, il n'y a pas de la patience. Et on se les a dit contraire. Il faut qu'on t'y carango. Vous devez les abandonner. Et aussi les frères. Les soeurs. N'y pas du père. Parce que c'est donné plus la vie et la prière. Adonnez-vous plus à la vie de prière. La jeunesse. Ceux qui ont une vie à prière d'être. Si la jeunesse n'a pas une vie de prière. À venir l'église, la vie se voit comme obscur. Ah, l'homme église à la vie se voit comme obscur. Bah, jeune, ceux qui vous ont son gars. Si les jeunes frères vous rassemblez, et faites les débats des saintes écritures, partage, même si ce qui est enseigné, et si là où tu vois qu'il n'est pas conforme à l'écriture et que tu n'as pas commencé à et partagez sur ces liens. Même dans vos rencontres. Attends, à beaucoup de il faut vous en être strict. Et ce qui vous en a pétard, c'est que la sœur la sœur qui s'est mal vêtue va rentrer. Et c'est pour ça qu'on a rencontré la vie. Donc dans votre rencontre, la sœur Valati, ma jeune sœur Valati, ma jupe est calibre. Les jeunes sœurs avec les jupes qui sont bien endossées. Les courtes robes. On dirait celui qui va y aller sur la pique-nique. On dirait c'est comme si. Mais va y aller rendez-vous à ma commande. C'est les rendez-vous des choses de Dieu. Il faut parler du Seigneur partout. Et Seigneur, pour le bel matin, encore au bicycle. C'est très important. Et ça dit mon tout en bas. Alors, ça s'adresse à moi, ma jeune. Ici, je m'adresse plus aux jeunes. Il faut ma jeune, bon, loukake, ma don spirituel et fondamental dans vos vies. Et Seigneur, que vous n'ayez pas loukake, ma cabou, la molie, mon amour, mon amour. Les dons spirituels. Ma cabou, y'a mon livre, y'a consécration. Bon, moi, y'a commis cabou. Aux âges jeunes, mais aux autres, vous excellez quand dans la classe. Tu es jeune, mais tu n'excelles que dans les études. Ok, ça n'est pas un païen où les autres ne font pas de distinction dans la classe. Tu n'es pas différent des païens qui distinguent aussi à l'université. Aux autres, ça, aux classe. Tu penses qu'ici, c'est l'école hey. Non. Ah, bah, c'est l'esprit de Dieu. Ah, mais ça n'est pas le livre, on t'en des nains. Non, on t'en met des dans les choses de Dieu. D'abord, ce n'est pas d'abord toutes ces choses-là que tu vois. L'honneur est pour vous qui croyez. Le coup, vos amis, pour la vie, vos amis, continuent. 1 Pierre 2, 2 dit que l'honneur est pour vous qui avez dit. On n'a pas dit que le coup, vos amis, pour la vie, vos amis, ces versets-là n'existent pas dans les choses de Dieu. L'honneur est à la cata pour ceux qui croient. Le coup, vos amis, pour la vie, vos amis, continuent. L'honneur est à la titre l'honneur n'est pas dans les titres. On a ça, donc.
j'ai ma licence. C'est bien. Les amalades. C'est pour le ventre. Mais Dieu détruira le ventre et les aliments. Ça fait à couper les aliments. C'est pour les yeux ou les choses de la terre. Mais ce qui est important, c'est pour la vie de la parole. Il y a des Jésus a émis ça qui marque, t'inquiète pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est pour demeurer dans Pierre Jésus. Les aliments la macola Jésus. Élève toi étudiant. Aux amis montagnes ou bien étudiant. Voilà que là c'était. Semaine au bimba, tu n'as pas pris le temps de lire même chapitre de la Bible. Toute la semaine, tu n'as même pas lu un chapitre de la Bible. Même il y a pour fondre la Bible. Et même ouvrir ta Bible. Mais la semaine, alors, on t'a dit presque plus de 10 cours. Mais pendant toute la semaine, tu as lu plus de 10 cours. Mais 10 cours vraiment. Salut, mais ma copie, et tu fais même une copie de cours. Aujourd'hui, quand on maîtrise le syllabus, ce qui a 100 pages. Je cherche à maîtriser le syllabus de 100 pages. C'est bien pour le ventre. Ils arrivent à l'âme pour la nuit. Mais ce qu'on a, c'est la destruction. Mais à la fin, ils arrivent pour des âmes. Mais où ils ont pu savoir la vie éternelle? Mais ce qui te donne la vie éternelle. Vous savez vraiment une semaine au fond de la Bible et au fond de la Bible. Mais pendant toute une semaine, tu n'as même pas ouvert ta Bible pour la lire. Là, on dit qu'il y a déjà un chemin en malheur. Et là, tu empruntes déjà un chemin de malheur. Il faut évacuer l'ennemi pour Azoyo. Tu vas savoir que l'ennemi pour t'avoir éloigné de la malheur. Et c'est que lui a poussé au site à ma. C'est comme ça qu'il travaille. Bon, on dit à ça, on sait. On a dégoûté à Boutama. Que tu prends les dégoûts de lire là-bas. On a dégoûté à Boutama. Tu as seulement les goûts de lire de ses abus. Les Bibles, on a dégoûté à Boutama. Mais tu n'as pas les goûts de la lecture. Fais attention. Qui est pas mis, il m'a. L'ennemi te cherche. On goûte à ça, il m'a dit. Avant de créer un scandale, mon goût a regretté la vie. Il peut te créer un scandale et tu regrettes de tout. Avec ma notion de la science. N'a pas maté à épeler à cette diamantine. Vous avez une distinction en classe. Tu auras des distinctions à l'école. Mais l'ennemi a aucun mal. Mais l'ennemi te retient encore captif. Il faut travailler pour la nourriture qui ne périt jamais. Et c'est bien ça, la boussala pour la vie. Vous avez une classe. Tu es à l'école. Parlez de Dieu. L'opéra t'a fait. Dans le milieu, il y a. Étudiants. Dans le milieu des étudiants, il faut évoquer ce sont des êtres que le Seigneur a créés. Parlez de Jésus. L'opana m'a été lié. Nathan pose des actes qui vont nous distraire pour ceux qui n'ont rien. À la fois, ce n'est pas pour la distraction. Témoigne Jésus-Christ. La Jésus-Christ au la Bible nous va prêcher la parole en temps favorable ou non. Il faut l'identité dans l'Eyébana. Il faut que ton identité soit connue de tout le monde. Que vous êtes un saint. Et tous animaux sont innocents. Vous animaux sont purement. Vous êtes ensemble. Tu es celui qui appartient à Dieu. D'ailleurs, on ne se trouve pas dans les choses honteuses du monde. En tout cas, nous devons travailler. Et c'est que tout ça, là, vous savez. Pour l'autel, ça va vertir à Christ. Enfin, de manifester les vertus du Christ. Vous êtes spécialiste dans le match qui est dans l'autel de la Bible. Ne sois pas spécialiste dans les matchs de football qui est dans la lecture de la Bible. Sois souci au travail, ma camarade Mingi. Prends les soucis de plus, travaille les choses de Dieu. Fais de l'éternel tes délices. Ça la colombe du l'éminaillon. Et de la sécurité. Et à couper sa volonté, mes amis, à mon côté. Et 1 Corinthiens 7 et le baba, pour les filles qui ne sont pas mariées, pour la bilégué passionnant de ma malité, qu'elles s'inquiètent des choses du Seigneur. Pas du tout, qui s'amène à ma cabo et encore. Est-ce que cette écriture, les qui ne pas dans une chose? Est-ce que cette écriture s'accomplit en toi, ma soeur? Au gênant, quand? Quand est-ce que tu as gêné pour la dernière fois? Aux autres, en prière, quand? Quand est-ce que tu as pris le temps de prier? Parce que lui, il faut s'inquiéter dans ma cambo-zambi. Oui, que le Seigneur commis tout qui s'allait dans ma cambo. Pour satisfaire le Seigneur. Pour la causer périssant-colo. Donc il faut alors, dans un besoin de couverture, il y a un don spirituel. Tu dois être là et t'inquiéter pour l'ouverture de l'esprit. Sauf qu'il y a qu'à Genèse, il faut aller dans la distraction. Sauf qu'il dit l'ingé, il faut aller dans ma cambo-zambi. Nabilo, quoi. Intellectuel. Dans des choses seulement du monde, des intellectuels. L'église dans l'avenir est comme un être protestant. L'homme église est comme un être protestant. Les catholiques vont être dans un grand séminaire. Comme les catholiques provenant du grand séminaire. La Genèse est vivée sans maman. Si la jeunesse n'aime plus les choses de Dieu, parce que nous passons. Et ce sont les jeunes là qui vont nous remplacer. Mais s'ils sont vides,
Ils vont remplacer dans la chair étant vide. Mais pour prononcer des choses conformes à la parole telle. Mais pour prononcer des choses contraires à la parole. Alors, et c'est sera comme s'ils sont en train de combattre là-bas dans la chair. Et quand l'ennemi combat, il sait. Et tant que mon gouna zo kounisa dilenge ayebi. Tant que zo kounisa ayebi aveni. Donc quand il combat les jeunes, il connaît l'avenir. Ayebi que ceux qui genèse et mbisse en ramazan mette plus tard. Il sait que si la jeunesse ne se donne pas aux choses de Dieu, l'opinion. Les ordres de dans l'église. Les désordres vont entrer dans l'église. Il faut savoir que si les foyers. Et ça sanctifiait. Seigneur, il va être ceux qui bandako yabate bouli sabité. L'église paie sanctification commandante. Et l'ibouli sabité pour sa tête à l'église. Monde a négocié pour Faki. Le monde, le premier monde avait péri. Pour les problèmes de mariage. L'icolo yamaba la mabé. Aux yeux d'aller à Sodome. Vous prenez le temps de Sodome. Problème en mariage. Toujours le problème de faux mariage. Il faut faire très attention. Et Seigneur, il faut mari. Ce qui n'a pas. Frère, à coller les cas dans l'intellectualisme. Si le frère ne grandit qu'avec les choses de la science, c'est pas passé mon ami. Où sera ses pensées? Il faut nous avoir une soeur. Je dois prendre une soeur. Ou elle a le même niveau que moi. Qui a le même niveau que moi. Oui, à vous battre la banne pour atteindre sa maman français. Qui va préserver les enfants pour leur apprendre le français? On va penser que le français est des mois qui m'a pas français. Ils pensent que les démons qui est français à la c'est ça son intention. Il y a mon délicatesse à bon à cultiver à ta vie. C'est parce qu'il a cultivé cette vie d'un et sa façon de voir à son ami. Maintenant, maintenant, ceux qui se sont mariés de la sorte et qui n'ont pas grandi dans les choses de Dieu. Et d'autres frères aussi se marient sans grandir dans les choses de Dieu. Maintenant, 50 couples. Maintenant, si vous avez 50 couples pareils dans les choses, maintenant qui ils ne savent pas diriger dans la même église. Et ils savent entrer dans la même église. C'est pourquoi vous allez voir des gens par l'église, vous avez un esprit à parti politique. Dans l'église, ils ont l'esprit de parti politique. Donc, à vous soutenir, vous tenez sans écriture. Il va se faire passer au moment. Et lui-même ne connaît pas l'écriture. Il a des cours à classe. Il connaît seulement les cours de l'école. Il a tendance à procédure à ma il ne connaît même pas les procédures doctrinales. Mais à vous soutenir, mais il soutient. Pour caca, l'état du monde. C'est pas parce qu'il voit la manière dont il voit les choses. Et c'est la destruction. Mais il y a un bon exemple qui s'améliore. C'est pourquoi Jacques Alouba qui plongeait votre regard dans la loi parfaite. Il ne faut pas qu'à son avion de la loi de la liberté. Mon béco, il y a mon somme. Donc, pose à la moussoumi na l'issoum. Pour que tu sois libre par moi. Missoumi, ça va plonger dans la loi. Tes yeux doivent être rivés sur la parole. Surtout à plonger dans la loi parfaite. Si tu n'es pas plongé dans la loi parfaite de Dieu, la liberté, tu ne seras pas non plus libre à l'égard du péché. Et pour mandat pour moi, ta maison deviendra. Musique en qui les soubêtes. La musique du monde va les trouver. Et tu vas les trouver normal. Ce qui pasteur à Zoé. Et si les pasteurs à Marie. Pas de passer au conseil. Les enfants viennent te conseiller. Pasteur à Zoé. On va les passer à Marie. Dis-moi, je veux changer. Change, change. Dans une bourse. Un pasteur comment? Un pasteur comment vous allez? À quand c'est que pasteur n'a pas rémunéré? Il pense que c'est le pasteur qui va le payer à la fin. Pasteur ça n'a l'eau là n'a eu. Les pasteurs sociaux n'ont que fait rentrer. Mais à cause de l'eau là où on a pasteur n'a pas eu de l'eau là où on a pasteur. Maintenant à cause du ciel du pasteur il s'apprête pour ne pas lui manquer. Les rémunérateurs c'est Dieu. Mon fou tu es à tout en paix. Je peux veiller. Au courir en main. Si tu ne fais pas au qui maman ou pamba, ou si si vina yo, tu finis ta vie. Ma titre belé à ma belé. Avec beaucoup de titres à l'économie. On va les lire seulement les jours de tes funérailles. L'homme que vous voyez là, le cadavre, à la licence. Il est fait, il est licencié.
Il avait aussi obtenu son doctorat. Il était aussi ingénieur. C'est là qu'il va s'arrêter que le jour est venu. Après sa conclusion. À cause de cela, les colons n'allaient pas. Les seigneurs allaient les voir. Il fallait conclure. Mais on t'a dit, Et ceux-là qui vivent dans la fraude et l'escroquerie, bon, tu reçois l'argent du frère, mais tu mens le frère. Sache que tu ne verras pas le Seigneur si tu ne te réponds. Vous faisiez des affaires avec lui. Que chacun parle à son frère selon la vérité. Moïse des fleurs de terre. Il nous sale la terre au coutard dans ma cam. Au sommet là qu'on a, frère, tu n'as que son bénélo. Le frère t'avait envoyé l'acheter une marchandise. Où tiens on a pris? Et tu le trouves dans une prix bas. Au sommet. Et tu l'achètes. Ah chance. Hein. La chance. Qui lui a mis sa frère? Parce que c'est lui qui t'avait donné l'argent pour acheter. A précieux 100 $. Il t'avait remis 100 $. Où t'es dans où que ça 60. Et tu l'as trouvé à 60 $. Je lui ai dit, ah, mais gloire à Dieu, c'est dans 40 $. Merci Seigneur, tu m'as donné 40 $. Non, mon bon est connu. Zonga et pas naïbo, il est dans le second. Rentre chez ton frère parce que c'est lui qui t'a fait grâce. Tu dis, oh, la songi, le Seigneur a fait grâce. Et bon, au péché qui sent. L'argent 100 $ que tu as fait. À 60. J'ai acheté la marchandise à 60. Et voilà les 40 $. Et le frère va trouver que vous avez le même sang de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, va te donner même 20 $. Et c'est cette ambiance qui est les choses de Dieu. C'est très important. Les amis, il faut vivre ma vertu à Christ. Après, responsabilité, mon gros. On te confie une responsabilité. Mais c'est une occasion pour toi d'aller te vautrer dans la vie du monde. Et tu deviens impudique. On te pose la question. On sera sauvé par la grâce de Dieu. Ça, c'est une confusion. Sauvé par la grâce des amis, le Seigneur t'a pris quand tu étais pécheur. Il n'a pas regardé tes œufs, mais à sa grâce, c'est sa grâce. Il y a mon maintenant, lorsque tu entres, la grâce de Dieu nous enseigne. Pour lui, on c'est sa bénédiction. Il y a mon émocané à titre. La grâce ne va pas te laisser dans le péché. La grâce ne va pas te laisser dans le péché. Non. Et l'impudicité. La grâce ne va pas te laisser dans les impudicités. La vraie source de salut pour tous les hommes. Ils ont enseigné qu'ils ont renoncé à l'éloignement sur Yamabé. Elle nous enseigne à renoncer à toutes les conséquences. C'est ça la base. Il y a beaucoup de choses. C'est très important. Les animaux, tout Yamakas. La vie pratique, ce qu'on veut, il y a un autre mot à la fin du solo. Grâce, nous avons préparé un fer pour ta vie. Si tu ne veux pas la vie et la marche, tu vas rester avec la grâce dans la bouche, mais tu prépares l'enfer. Parce qu'il y a des promesses. Oui, tes amis n'ont pas de problème. Mais le lien est des choses. Et comment est-ce que le Seigneur les a placés? Escroc à vos côtés. Un escroc n'entrera pas dans le royaume. Impudique à vos côtés. Un impudique non plus n'y entrera. Voleur à vos côtés. Ni le voleur n'y entrera. Voleur à ta zone démontre. Même si le voleur démontre, ah, il n'entrera pas dans le royaume. Bon ami, répentance est en lui. Parce qu'il n'a pas la répentance en lui. Alors, vraiment.
Les gens là qui sont très attachés aux œuvres, maintenant, on se contente de la vie, c'est la grâce. Maintenant, tu te contentes de cette vie en disant que c'est la grâce. Mais tu t'es détruit. Vous savez combien de ça y est encore. La grâce en réalité, t'as sa gagnée. Golou n'a pas solo. Au moins, il t'a pas appris ce qu'il loi. Vous voyez, lorsque le Seigneur a donné la loi, après ce qu'il m'a dit, ma casse à consacrer la loi. Il ne leur a fait pas donner la force de pratiquer la loi. Parce que la loi est spirituelle. Vous êtes charnel. L'homme est charnel. Et l'homme est spirituel, pour y aux charnel, au sein de la loi, c'est très difficile. Donc, c'est difficile, toi, charnel, de pratiquer ce qui est spirituel. Mais quand nous t'avons bocadé, maintenant, comme l'homme n'est pas venu pas, les amis aillent pour ça la grâce. Maintenant, le Seigneur est venu faire grâce aux hommes. Aillent pour ça notre capacité. Et pour vivre sa loi. Il est venu donner à l'homme la capacité de pratiquer. C'est ça qu'on appelle grâce. Il y a pour des babelingos. Donc cette capacité, il y a pour vivre maintenant la parole. Il y a pour pika le manzambe. Il y a pour Paul en bas qui ce n'est plus moi qui vis. C'est qu'est-ce qui vient moi. Donc, si c'était moi, en tout cas, faut en tout cas j'allais tomber dans il faut naïna. J'allais aïna. Il faut na chola. J'allais il faut na lula. J'allais. Mais ce qui est dans un monde est en beauté. Mais si je ne vois plus toutes ces choses dans ma vie, c'est la grâce. Les amis vont lui entendre. C'est ce que Paul a prêché. Et c'est ce que Paul a prêché. Il y a trois hommes, nous serons sauvés par la grâce. Et les colombatés qui nous ont continué dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, continue dans les péchés, tu seras sauvé comme ça. Non. À poser une question, pécherions-nous enfin que la grâce est abondée? Tout au sous, comme on le fout. Ah, mais loin de là. Il y a monté. Donc, t'as pas besoin, nous sommes sauvés par grâce. Ça, on va nous mettre au pic qui n'a pas le lengue, zame, atali, misala, nabiso. C'est la manière dont le Seigneur n'a pas considéré nos œuvres. On a sali, nabiso. En ce qui concerne notre salut, Jésus-Christ, on s'en avec lui. Jésus-Christ, on s'en qui monte à c'est comme Isaac, t'as besoin de bénir, lui, c'est ça pour moi. Le corps a la coupe pour la salle qui aveugle. C'est comme Jésus. Le corps a Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma vie va et on l'a giflé. Voilà, on fait l'accomplissement avec les mains. Vous montrez l'accomplissement de l'aveuglement. Personne n'a giflé, c'est caché. Batouni, devine qui t'a fait. Et il avait considéré comme un aveugle. Il ne saura pas savoir qu'il a giflé. Samson a zo kouessa. Les liens sont en amphithéâtre. Et Samson avait fait tomber tous les temples. Il était avec. Azalaki Motalolanga. Amen. De la même manière, la grâce donne aux huit bénédictions en vitalité au Bissotosan. De la même manière, on a été béni de Dieu sans regarder nos c'est ça. Tous a sauvé non par les œuvres. Tu étais dans la mer. Mais le Seigneur t'a aimé malgré ton péché. Et il t'a pris et t'a converti. Ah non, pour le bagage, je suis sauvé par grâce. Mais tu diras que la vie qui n'a voulu en tes années sur côté, ce n'est pas que tu n'es jamais. Et tu continues toujours dans les impies. Nous sommes sauvés par grâce. Et non par les œuvres. Tu as mal prêché cette écriture. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans notre église de Pergam. Nous sommes dans notre église de Pergam. Et nous la disons au nom de Jésus-Christ. Ces choses ont été exhortées afin que l'esprit de notre union soit l'amour à évaluer la votre. Nous exhortons ces choses, c'est pour éveiller l'esprit de chacun afin de savoir marcher sur les chemins. Tout le temps selon le monde. Ne marchons pas selon le monde. Mais nous présentons la vertu à Christ. Mais présentons les vertus du Christ de Jésus. Je lis le verset 12 à 17 au nom de Jésus-Christ. Le verset 12 à 17 au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Pergam. Comme là, moi, je vais écrire à Pergam. Voici ce qui est dit, c'est lui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône du Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam.
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. D'elle-même, toi aussi, il y a des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Réponds-toi non. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse les dieux. Ça ne vient pas pour la litanie. L'autre Robinamingi, le verset 16, 15 et la 17. Aujourd'hui, nous allons plus parler du verset 15 jusqu'à 17. Mais nous autres, ça nous rappelle. Mais nous faisons d'abord un rappel. Niveau de ce qu'elle a, tu es dit que nous allons continuer toujours dans la mission. Au niveau, nous allons nous arrêter, nous savons que nous continuons par la grâce de Dieu. Lui entendait. Total, c'était dans la semaine. Au cours de la semaine, on avait montré que Pergame, et Nicoloba mariage. Et le mot Pergame et Nicoloba liba. Et puis toujours soit mariage ou puis dans le passage de l'écriture, il y a l'église à Pergame. Et où est-ce que nous prenons le mariage dans le passage sur l'écriture de Pergame? Toujours le monde dans verset 14. Hein? Nous le prenons au verset 14. Et lorsqu'on parle du faux prophète Balaam, et lorsque nous voyons Balaam, nous autant le livre et en Nombre chapitre 22, dit en Nombre chapitre 25, nous lisons Nombre chapitre 22 jusqu'à Nombre chapitre 25, chapitre et tous ces chapitres-là, les rois Balak. Comment Balak, roi de Moab, qui était le roi de Moab, parce que Moab est presque la dernière station à Israël pour Akatsa, main rouge pour accompagner la promesse. Et Moab, c'était presque le dernier campement d'Israël pour traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise. Et c'est là-bas que Moïse a mort. Et c'est là-bas que Moïse était mort. La montagne à Pisga. Sur la montagne de Pisga. Là, on a été long. Il a dans Deutéronome 34. Mais tant que comment qui en a pas campé. Mais lorsqu'ils y étaient arrivés et ont campé, les rois, de ces royaumes de Moab, ils étaient fort inquiétés. Pour Ayoka qui sent combien Israël a vécu la victoire. Et parce qu'il avait écouté les nouvelles, comment Israël vivait les victoires sur les nations. Mais ça veut dire que nous avons eu la longue peuple et votre langue royaume. Et il cherchait des moyens comment faire pour vaincre Israël afin qu'on ne lui gravisse pas le royaume. Ah, trouva qui que solution est avec Balaam. Il avait trouvé la solution, c'était faire appel au faux prophète Balaam. Donc Balak avec Balaam. Le roi Balak avait fait appel à Balaam. Balaam, Aza un faux prophète. Azalaki Mosakouya. Aza un devin. Azalaki Motasolo Kandabakis. Mais ce que toujours remarqué. Mais ce que nous remarquons, c'est. Dans tout Josué 13. Lorsqu'on a pris Josué 13. Les confirmations Ezalakawana. C'est là qu'il y a la confirmation. Azota lisa très bien au verset 22. On nous montre très bien au verset 22. Josué 13, verset 22. Josué 13, le verset 22. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Nathalie n'a pas volé. Parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec le paix les devins Balaam. Fils de Béor. L'écriture, il y a Josué 13, verset 22, et ils ont bien gagné des vins. Dans l'écriture de Josué 13, ça dit après Balaam, Montoya Soloka. Mais Balaam,
mais c'est Balaam oui, ça, devin, qui est Dieu témoignage selon les témoignages de l'Écriture. Mais Dieu avait mis ses paroles dans le devin. Aujourd'hui, dans verset 5, il y a nombre 23. Vous prenez le verset 5 de nombre 23. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Yahweh a tiaki malobanae na monoko ya Balaam. Aujourd'hui, verset 16, il y a nombre 23. Le verset 16. L'Éternel vint au devant de Balaam. Yahweh a yaki liboso ya Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche. Ya tiaki ma maloba na monoko na ye. Donc, toujours trouver qu'il a sa devin. Nous trouvons que Balaam a sa libre toi seul. Un magicien. Dans la kiss. Mais la parole éternelle. Tasi maloba ya kolo. Nzamba ya tiama. Le Seigneur est venu le mettre dans sa bouche. Et cet homme t'a azoloba. Et lorsque cet homme était en train de parler, il montre ceci. Que yé azali un homme qui se prosterne. Azali monte au sommet à Kumba dans le sang. Les yeux s'ouvrent. Misolé à Moli Moufoumoua. Il voit les visions du Tout-Puissant. Mais Amoni Baemoni s'est révélé en Zambé en Bouyanios. Et il a vraiment en Zambé ou à Moïse. Donc c'était vraiment les visions du Dieu de Moïse. C'était vraiment les visions du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais celui qui les recevait, il était un fils de Madian et non un enfant d'Israël. Mais il était aussi devin. Mais Dieu prend sa parole. Parce qu'il n'a pas eu le mal. Et les met en lui. C'est pourquoi tout le temps il c'est pourquoi on avait montré ceci. Même aujourd'hui. Attaque les lots. Donc quelqu'un peut être là un mauvais serviteur. Mais le Seigneur peut l'utiliser. Il utilise tout le monde. Zambia ça de la Batonios. C'est comme dans Jean 6, verset 70. C'est comme dans Jean 6, verset 70. A Bengi Judas Iscariot, dans la tabazoï du Samanonion, son attaque à parole. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Mais l'un de vous, un démon. Donc, oui, c'est qu'il y a quatre là-bas, à Ponapé, mon corps, mes démons. C'est-à-dire, parmi eux, il avait choisi aussi un de leurs qui était démon. Mais si tu viens dans Matthieu 10, mais si tu viens dans Matthieu 10, verset 1er, la deuxième, verset 1er et 2, même au quai dans verset 6e, même au verset 6, mais on a dit, ça va, où on a appelé ceux qui sont esprits, pour appeler ceux qui pouvoir qui pour chasser les démons. On montre cela à qui le Seigneur avait remis le pouvoir pour chasser les démons. On les a cités. Et parmi eux, Judas Iscariot qui pouvoir pour chasser. Et Judas Iscariot aussi avait reçu le pouvoir de chasser les démons. Donc on va travailler ensemble dans ma pierre. Mais ils ont travaillé ensemble avec lui. Par l'autorité du Christ. Par l'autorité du Christ. Mais Jésus dit que c'est un démon. Si Christ en lui est un sali démon. Et dans le Vatican, qui est la chambre haute, les disciples, après que Judas a mis au manque déjà. Et lorsqu'ils étaient restés dans la chambre haute, après que Judas se soit pendu, Actes chapitre 1er, dans les Actes chapitre 1er, dans verset 17, hein, au verset 17, Pierre a dit, et Pierre dit, à Zolomé, Judas, il parle de ce qui concerne Judas. Il a eu part au même ministère que nous. Asala qui peut le citer à tout moment qu'on a dit son. Parce que tout le monde a le ministère de la mort. Parce qu'il n'y a qu'un seul ministère. Le ministère de Jésus-Christ. Le tout le monde est sous Christ. Pierre a témoigné que Judas a travaillé dans le ministère. Et Pierre a témoigné que Judas avait travaillé aussi dans le ministère. Mais il était un démon. Parce qu'Asala qui m'a dit mon ami. La plus grande chose dans la vie à moi, Nazambé. La plus grande chose dans la vie de nos enfants. Que tu sois servi. Que tu sois infidèle. Et nous, comme on est les communion avec Dieu. La plus grande chose, les amis, pour mon connaître. Au milieu, ce qui gagne à ça de la mort, tout ce qui reste, le Seigneur le fait à tout le monde. On te pose à la faux. Tu peux être faux, c'est mais le Seigneur est venu travailler. Le Seigneur travaille en toi et il va. C'est l'âme, il y a un Saint-Esprit. Parce qu'il y a peu si on t'aime dans la mer, on sent tout pour la vie. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, pour remarquer que Balaam, on a remarqué que Balaam, il est né, c'est lui, l'Éternel, il est mon oiseau témoigné. Tant qu'à ce que c'est un message qui va à Jean. Le Seigneur lui-même témoigne en donnant le message à Jean. Que Balaam a dit ce qui Balak. Que Balaam avait dit au roi Balak. Que Matthieu Pierre l'achoppement devant les enfants d'Israël. On met une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour que Bana Israël va couer dans les impudices.
Moïse dit ceci. Il dit, voici ces sens, elle qui, Tala Ezali de Basipoyo. Donc, Banabasiama Madianite. Donc, les filles de Madian. Sur la parole de Balaam. Naniloba ya Balaam. Ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Mamema bana Israël télémena Yahweh. Là, c'est le témoignage de Moïse. C'est lui qui avait prêché les filles de Madian pour entrer dans ces faux mariages. Isaïe Balaam. Donc Balaam a la vision du Tout-Puissant. Donc Balaam voyait la vision du Tout-Puissant. Message. Il voyait le message de Dieu. Mais enseignement, ils allaient qui m'a dit. Parce qu'il a qui a le couta. A créé qui faux mariage. Il avait créé le faux mariage. Il fait en sorte que les filles de Madian, des païens, et les filles païennes de Moab, puissent entrer dans le faux mariage avec le fils d'Israël, afin qu'ils se prostituent. Témoignage moko. On avait rajouté une autre. Répondre. Est-ce que Zalaki bana Israël nion sauté par côté qui la fausse adoration? Est-ce que c'était tous les enfants d'Israël qui étaient entrés dans cette fausse adoration? La plaine à Moab. Dans la plaine de Moab. Réponse pour vrai qui n'a Deutéronome 4. On avait reçu la réponse dans Deutéronome 4. Ezan non. Non, c'était pas tout le monde. Ezan. Une partie n'est pas qui emportait l'affaire des pères. C'était juste une partie qui était entraînée dans l'affaire des pères. Les autres n'y étaient pas entrés. Mais Nathan dit dans 4 versets 3 et 4. Ah oui, c'est un livre à Souka et Moïse. Ici, c'est le dernier livre de Moïse. Alors, comment on va aussi sa vie à Moab. Moïse l'écrit à la fin de sa vie à Moab. À le dire, il dit ceci. Vos yeux, verset 3e, Deutéronome 4. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Péor. Situation où Moïse a zolo ba'awa. La situation dont parle Moïse ici. C'est dans le nombre 25. Se trouve dans le nombre 25. Place où yo, ma fille, Madianite, na Moabite. Là où les filles de Madian et de Moab. Bayaki possédé par Israël. Il était venu séduire les fils d'Israël sur la parole de Balaam. Namalou ya Balaam. Puis ma sangani n'a pas faux mariage. Et ils ont contracté le faux mariage. Kandazambe tomba maki. Et la colère de Dieu s'était enflammée. Maintenant, il montre dans cette écriture. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Péor. Verset 3, Deutéronome 4. Ton Dieu a détruit des milliers de toi tous ceux qui étaient allés après Baal Péor. Et vous, qui vous êtes attaché à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous. Donc Moïse a tout répondu. Donc Moïse nous donne la réponse. Lorsqu'il parla avec les Israélites à la fin de sa vie, en ce qui concerne l'affaire de Baal Péor, donc tous les dieux des nations ont. Maintenant, ils ont un combo. Maintenant, ça parce que Baal, définition, peut être un seigneur. Parce que Baal veut dire colo. Propriétaire. Donc, mon colo, ya. C'est ça, Baal. Il y a mon de Baal. Alors, Biki Konabango. Maintenant, l'air s'idole. Aujourd'hui, Moabite. Vous prenez les Moabites. Biki Konabango, c'est Péor. Et leur idole, c'est Péor. Et ma bengi, Baal Péor. C'est pourquoi on l'appelle Baal Péor. Nous avons ce qu'aujourd'hui, texte, ya. Il y a un juge. Si vous prenez le texte du juge, vous pourrez remarquer dans Juge chapitre 3. Vous allez remarquer dans Juge chapitre 3. Verset 7. Le
Le verset 7. J'ai demandé le verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Les Baals, on l'a en pluriel. On l'a employé au pluriel. Les Baals et les idoles. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et aux hommes que tu prennes le fils de la terre. Ils avaient leur idole de Baal. Et Moloch. Donc, les autres Moloch. Baal et Yota, c'est Seigneur. Donc, Baal veut dire Seigneur. C'est comme Israël. Il avait l'Éternel. Seigneur. Qui était son Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que l'affaire à Baal Béor. Donc, l'Itambol est à la page. Dans un verset 4, il y a des termes 4. Le verset 4. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Les nominations sont au Kamama qui n'a jamais posé le Kaboum. Donc, la réponse au Yom. Donc, en cette réponse, et d'Alice Bissoke, cette réponse nous montre Israélites n'y ont sauté d'un côté qui n'a fausse adoration. Ce n'était pas tout enfant d'Israël qui était entré dans la fausse adoration. Ah, Oyom, à côté qui n'a fausse adoration. Ce qui était entré dans la fausse adoration. Zamba détruit ce qui va. Les Seigneurs les avaient fait périr. Au moins, il m'a dit, ma côté a quitté. Donc ceux qui n'étaient pas entrés. Moïse a rappelé maman qui est le roi pour dire pour maman qui n'a jamais. Moïse les a rappelés comme ils étaient attachés à Dieu. Vous êtes vivants-ils? Vous avez d'abord moins qui dans les noms. La parole de Balaam annonçant qu'il y a un mot et pas Balak, le roi de Moab. Donc la parole de Balaam, il avait dit à Balak, le roi de Moab. Parce que l'association y a dit tout le monde, mais c'est lui qui est entré. Parce que c'était la réunion des Madianites et des Moabites. Pour n'avoir qu'à pas séduire Israël. Enfin, de chercher à séduire Israël. Mais la Kati aussi, il y a Bassi, il y a Madianites. Mais aussi parmi les filles des Madian, les autres filles n'avaient pas cru ou accepté la parole de Balaam. Et ça peut être tout le temps en verset 18. Hein? Lorsque nous lisons le verset 18, il y a Nombre 31. Le nombre 31. Nombre 31, verset 18. Hein? Nombre 31, le verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Si vous dites qu'à la bombe, il faut pas qu'on m'a passé la vie, non, il est pas si bien, soit le maillet va me baliter. Vous aurez un amalam. Tu suis attentivement. Donc, parmi ma fille, ou un amalam. Et parmi ces filles de Matthieu. Bah, ou bah, soit qui parole, il y a Balaam. Donc ceux qui avaient reçu la parole de Balaam, les autres filles n'avaient pas accepté cette parole. Baptisa la Vierge. Elle était restée vierge. Et nombre Nabango est dans le verset 35. Et leur nombre ici au verset 35. Il y a nombre 31. Nombre 31. J'ai le nom de Jésus-Christ. Et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. 32 000 Donc, qu'est-ce que nous avons remarqué? Place où la parole y a Balaam et Yaki. Là où la parole de Balaam avait été parvenue, les il y avait d'autres filles qui n'avaient pas cru à cette parole. Batika la vierge pour ma côté la prostitution. Elles étaient restées vierges, elles n'étaient pas entrées dans la prostitution. La même parole est touchée Israël. Il nous parle d'un mot aussi, Marie-Salé. Mais 18 témoignages dans Deutéronome 4, verset 3 et 4. On a pris un témoignage dans Deutéronome 4, 3 et 4. Et dès que nous soyons Israël, il nous dit main à côté. Une autre partie d'Israël n'avait pas. N'était pas entré dans l'idolâtrie. Alors, tu as utilisé Ecclésiaste 3, verset 14 à 15. On a utilisé Ecclésiaste 3, le verset 14 à 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Il n'y a rien à y retrancher. Il n'y a rien à ajouter. Dieu fait ainsi. Enfin, on les craint. Ce qui a été, c'est ce qui s'est passé. Il y avait d'autres filles qui avaient demeuré vierges sans entrer dans la prostitution. Elles étaient entrées dans l'héritage d'Abraham. Elles étaient entrées dans un bon mariage. Elles sont le signe. Yaba Oyo.
Bazali comme l'église où est gardée virginité. Comme l'église du côté des nations qui a gardé la virginité. Donc Paul avait dit dans 2 Corinthiens 11. Paul avait dit dans 2 Corinthiens 11. Verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Dans autant la bonne compagnie de Jésus Christ. Je le lis au nom de Jésus Christ. Il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Ce qui vous coquille comme mananda bonangaï, moi, vous l'avez manqué. Mais vous me supportez. Car si vous allez comme mananaï, car je suis jaloux de vous. Oui, tu as allé dans Zoua, la bina. Une jalousie de Dieu. Zoua, vous allez à mon tabac. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui, tu n'as pas dit si bien, on a mon bali, mon quoi, l'ibal. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On a coupé les misabino et pas à Christ, on a encore la grande. Non, mais pas au bâtiment qui vierge, bandit. Parole à ma lame. Les filles qui étaient restées vierges sans croire à la parole des malades. La réalité, la boussole, c'est la vraie église. Les alliés églises à soi enseignement. Qui garde l'enseignement. C'est bien sûr. La boussole. Du temps des malades. Faux mariage salé. Il y avait un faux mariage qui était contracté. Parce que comme Pergame, il y a un mariage. Parce que le nom Pergame signifie l'Ibal. Mais alliance que c'est le mec qui n'a ce qui a été. Maintenant, l'alliance qui était contractée dans le mec qui n'a roi. Il y avait un roi, Balak, qui était Balak. Après, faux prophète. Et Moussa Boulaloukouta, Balam. Balam. Basalam. Ils se sont réunis. On a pour produire faux mariage. De la même manière du temps de Pergame. Nous avons aussi le roi Constantin. Nous voyons aussi l'empereur Constantin. Et pourquoi nous prenons cela? On avait dit ceci bien. On avait pris Apocalypse 12. Au verset premier. Au verset premier. On a présenté une femme en travail. On a présenté une femme. Moi, si moi qu'on a pas saisi. Enveloppé à soleil. Et cette femme attend Satan, l'église où ils ont gardé la parole. Et cette femme parle de l'église qui garde la parole. Mais en face à cette femme, dans le verset 3e, il y a Apocalypse 12. Au verset 3 d'Apocalypse 12, il y a un dragon. Et Zalina dans la bonne amour des malins. Mais à la sept têtes, on a mis tout ça. N'a dit quoi? Mais Nicolo y a pas tête et ça n'a pas diadème. Mais Nicolo y a mis tout et ça n'a mis tout les. Et Nicolo va. Cela veut dire mis tout en y a mon les autres dominés. Et ce sont ces sept têtes qui dominent et qui ont le pouvoir. Donc ils ont combat puissante nation. Donc on a Nicolo y a engouillé ça dit qu'au Canada maintenant. Comme l'Égypte, comme première puissante nation. Après, c'est la Syrie. Après, c'est Babylone. Et Babylone. Après Babylone, Médo-Perse. Empire Médo-Perse. Après Médo-Perse, Grèce. L'Empire grec. Vous voyez tel que ça est là. Tant que Jean aux Apocalypse. Lorsque Jean recevait la vision. Voyez ici que cinq rois sont tombés. Le royaume de cinq. On parle de tous les cinq royaumes que je viens de citer. Mais un existe. Parce que mon corps a sali dans ta vie. Dans l'air, Jean a reçu un message. Quand Jean recevait le message d'Apocalypse, les rois qui dominaient la terre, c'est l'empereur romain. Et comment ça va qui compte à ma belle, ça va qui va couvrir Rome. Sixième tête est à Rome. Mon tout est à mon tombe, ça va Rome. Et Nakati à Rome. Et en Rome, dans cette bête, il y a beaucoup d'empereurs qui se sont succédés. Contre la femme. Mais sache que ces rois-là sont contre la femme qui est l'église. Donc, on retrouve que ma persécution, l'église arrive. On va trouver que les persécutions que l'église a eu à vivre. Les abos mis en temps dans l'empereur romain. Provenaient plus des empereurs romains en ces temps-là. Vous êtes Dioclétien. Vous prenez Dioclétien. Persécutant un temps, il y a Smyrne. Il avait persécuté du temps de l'église de Smyrne. Et étant pouvoir à Dioclétien. Et lorsque son règne a pris fin. Constantin qui l'a fait. C'est l'empereur Constantin qui l'a fait. Ah, ça, ta sixième tête, on est dans la sixième tête qui a la couronne. Et ça, n'a pas beaucoup à diable contre la femme. Et c'est dans le main du diable pour combattre la femme. Et ce roi-là, Constantin. Mais comment on a Constantin? Donc, on l'a avant lui. Comme avant lui, il y avait
l'empereur Dioclétien. Et ça là qui n'a pas nous de Dioclétien. Oui, a persécuté l'église. Il avait beaucoup persécuté l'église de Dieu. Oui, il y a lorsque lui a fait liberté évangélisation. Il a fait comme s'il a donné la liberté de religion. Mais tant que la liberté, on a souci de promulgué cette liberté de religion. A créé un mariage. Il avait le souci de créer un mariage. Actuellement Balak. Et ça dit le nom de Balak et du coup. N'a pas l'info. N'a pas l'info. Ça pour les moutards. Ils ont établi un faux enseignement par les filles de moi. Au peuple de Dieu, va côté la force. Afin que le peuple de Dieu entre dans la force. Il puisse abandonner le vrai. Heureusement, ils ont battu sauté à porte. Et Constantin aussi. Il y a qui l'auteur il y a 325 la Concile de Nice. Et c'est lui qui était l'auteur de la convocation du Concile de Nice. Son souci était que les choses de Dieu écoutent ça, ma loi païenne. Et puissent aussi être mélangées aux lois païennes du monde. C'est tout un mariage. Et ça dit qu'il parle à mon bimba. C'est un faux mariage. Parce que ça dit qu'il parle à ma bé. Et c'est Constantin qui a appelé ça par édifice. Et c'est Constantin qui a donné des édifices aux prêtres. Ma catholique. Aux prêtres catholiques. Il est mon copain qui a appelé ça au coup. Et c'est lui-même qui les avait rénalés. Il y a mon basilic. Nyoka basilic. Au basilic, c'est bon. Pour être basilic, ils ont nyoka. Autant qu'il y a Isaïe. Attends, papa, sur définition, même si on te donne une autre définition. Grand bâtisse. Grand édifice. D'accord, mon nom. Basilique. C'est là que dit basilique. Basilique, c'est assez. Basilique, Esaïe, Nyoka. C'est Esaïe 14, verset 29. Esaïe 14, verset 29. Et Jérémie 8, verset 17. Jérémie 8, le verset 17. C'est assez bon. Ils ont nyok. Ils ont compté son attendre à Nebuchadnezzar. Si vous parlez de Nebuchadnezzar en ces temps, parce que Nebuchadnezzar, il est second. Oui, que Nebuchadnezzar a nyok. Là, il faut prendre Jérémie 46. Là, il faut prendre Jérémie 46. Au verset 22. Au verset 22. La émission s'en envoie serpent. On a dit que ça envoie comme c'est du serpent. Maintenant, on t'a dit dans le verset 26, toujours il y a Jérémie 46. Et toujours dans Jérémie 26 du même chapitre. On a battu serpent. Et là-bas, on a cité ce serpent du verset 22. Les amis de Nebuchadnezzar. Ils sont dans Jérémie 51. Et dans Jérémie 51. Dans verset 34. Verset 34. Va bénir dragon. On a appelé Nebuchadnezzar un dragon. Il est serpent dragon. Azali Nyokapé dragon. Textuellement, nous avons un apocalypse. Les gens qui nous avons un coup dans la boucle de mon ici. Là, c'est Nebuchadnezzar qui combattait le Tangwana les Israélites. Et Constantin a élevé un faux Dieu. Donc, parole les alarmations qui vont ajouter. La parole est que si tu ajoutes. Proverbe 30, verset 5-6. Proverbe 35-6. Et lui, ceux qui ont ajouté, ils ont sous parole qui est comme une maçon. Et si tu ajoutes dans la parole, c'est plus la parole, ça devient maçon. Côté ça, ma fête à Dieu soleil. Ils ont introduit les fêtes du Dieu soleil. Où ils ont célébré le 25 décembre. Qui s'est célébré le 25 décembre. Dans le temps de solstice. Du temps de solstice. Bah, oui, en gros, ma côté ici, on a 4e à Kamboanza. On a pris ces fêtes, on les a fait entrer dans les choses de Dieu. Et c'est ça, ma carte à considérer. Et c'est ce qu'on avait fait dans le concile de Nicée. Ma statue, ma piquette, ma rébellé, beaucoup de choses. Il y a ma faux Dieu, il y a ma tablée à l'époque. On les a introduits dans elle-même, ma tonga, ma représentation, ma faux Dieu, on a dans ma édifice. Et on a même sculpté les représentations de faux Dieu dans des édifices. Ce sont des édifices. Au constant, mais ça dit madame a miné non coup à pesa ma mais comme n'a pas été qui mais comme dans ce qui a été il y avait un reste les alaki n'a pas eu un bateau ma garde la parole qui avait gardé la parole à la sécurité il n'était pas séduit dans les temps présents il y a toujours un reste les alli peine à n'a pas eu un bateau à terre comme n'a pas passé le col à n'a pas eu des filles qui sont restées vierges les alaki n'a pas su à tirer la mode. C'est même aussi en ces temps. L'église. Même si Constantin y a dit dans ma camionne, il y a faux mariage. Même si Constantin avait amené le faux mariage. Il y a des gens qui s'étaient opposés.
opposés. Il y avait des gens dans l'église de Père Dame qui s'étaient opposés. Ah, ouais, et ceux qui avaient gardé la fidélité à la parole. Où est-ce que nous le voyons? Lorsque le Seigneur le témoigne. Dans verset 17. Au verset 17. Non, tout de suite, dans verset 12e là. Nous prenons le verset 12. Tout le monde en va. C'est là que nous le voyons. Herbie, il dit. N'en suis pas verset 13. Le verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Dans Herbie, trône de Satan. Lorsqu'on parle du trône de Satan, nous sommes dans la tête. L'église est comme le trône de Satan. Donc je pense que c'est l'église qui devient trône de Satan. Non, ce n'est pas ça. Et ça dit pour mon tête. Dans un exemple. Je prends un exemple. Nebuchadnezzar était ses bons. Comment Nebuchadnezzar Babylone a sa dragon. Il était le dragon. Donc Babylone est allé comme trône de Satan. Donc Babylone était comme le trône de Satan. Mais dans Babylone. Mais dans Babylone. Daniel a et Daniel il était. Trois compagnons Daniel a et aussi ses trois compagnons. A gardé l'enseignement. Ils avaient gardé l'enseignement. Ézéchiel a ça. Ézéchiel le prophète a gardé l'enseignement. Il avait aussi gardé là où Satan a ça. C'est ce qu'on dit ici. Pergame, la ville de Pergame, il y a là qui est lié vraiment Satan. Il y a là qui est Pergame, Satan, il y a là l'adoration à Zeus. Il y avait l'adoration du dieu Zeus. Il y a faux dieu. Il y a Manzambé à l'Okuta. Donc, les dieux grecs. Manzambé à l'Okuta. Parce qu'il va transporter Manzambé dans ma civilisation. Parce que notre civilisation a transporté ces dieux-là. Il y a eu une fausse adoration. C'était des fausses adorations. C'est ce que Dieu dit que Satan, ça devait. Ndezambazali Koloba, Satan, Azali, Nandakunaewa. Il va tout à sa ville, Pergame. Et on montre que c'était la ville. Mais Balobi. Mais on dit. Qui retient mon nom. Si vous allez combattre la combo là. Et tu n'as pas renié ma foi. Mais on va baliter continuellement. Il y a combien. Et donc, ce qui est en réalité. C'est-à-dire en réalité. Là, l'église de Saint-Pergame. On montre l'église de Saint-Pergame. Et garder le nom de Dieu. Avec garder le nom du Seigneur. Or, le nom du Seigneur, c'est la parole. Ce qu'on a combattu, c'est le Seigneur. Et pour vous, ça a été la parole de la vérité. Non, c'est ne peut pas dire que l'église a la parole. Et ça fait trop à ça. C'est aussi le trône de ça. Ça n'a pas de sens. Les alliés n'ont sens. Trône à Satan et sa ville. Vous voyez, à Satan, les alliés ont boumé, c'est quelque chose. Les alliés tout le monde qui s'engagne. C'est comme nous pourrions dire qui s'engagne. Les œuvres des ténèbres, les eaux salées, maman, casse. Il y a trop d'œuvres des ténèbres. Mais nous sommes à 112 ans. Mais nous, les saints, nous y sommes. Le Seigneur a l'oubli que. Le Seigneur dit. N'ayez ni place pour ça. Je sais là où tu demeures. Qui s'engagne, maman. Qui s'engagne. La trône à ça. C'est le trône de Satan. Mais vous gardez ma foi. Mais vous, les saints, vous avez gardé la foi. Rejetez ma foi. Vous n'avez pas rejeté. Je sais que le Seigneur dit ici. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Vous avez dit que l'église est un trône à ça. Il n'a pas dit que l'église est le trône du diable. Parce que ma doctrine est dimanche. Parce qu'il y a des doctrines qui ont surgi. Il y a un moment dans l'enseignement par historien. C'est pourquoi dans l'enseignement des théologiens. Bah, comment les sept âges. Ceux qui ont aussi écrit sur les sept âges. Parce qu'ils sont dimanche à tes sept âges. Parce que nous ne croyons pas aux sept âges. L'église. Parce que ma cambo est allé à un. Parce que les choses qui sont ici. Avec avant l'Apocalypse 1. On les appelle l'Apocalypse 1. Verset 19. Le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues. Comment ma cambo est au monde. Les choses que tu as vues. Ma cambo est au monde. Apocalypse 1. C'est depuis Apocalypse 1. Autant y avoir verset 18. Jusqu'au verset 18. Les choses que tu as vues. Ma cambo est au monde. Et celles qui sont, celles qui sont, elles attendent sur l'église. Elles sur l'église à Samoa. Et celles qui doivent arriver après elles. Mais donc, tant l'église va venir en haut, des choses qui sont. On a appelé le temps de l'église les choses du temps. Mais je vais dire aussi sur Paul à Benamo maintenant. Dans un autre là-bas, je disais les lots de Thomas Paul à Benamo aujourd'hui. Les lots si vous. Si vous entendez ça. Ceux qui voient qui vont mourir. Moment à mission sur mon église et Banda, comment on est aujourd'hui. Tout notre temps depuis la marche de l'église, depuis le début de la marche de l'église. C'est aujourd'hui. Maintenant. Donc si vous. Et pas y a Jean à Benamo. Des choses qui sont. Donc, ma cambo est sali, si le présent. Donc, si quoi, le long.
Alors ce sont des historiens qui ont inventé l'annale des âges. Alors ma docteur théologien aussi m'a imité Kaka. Ma historien m'a révélé qui âge à ténèbres. Ils ont parlé de Keke à Milili. À l'ère à Pergam. Du temps de l'église de Pergam. Et Kotaki. Et les ténèbres étaient entrées dans l'église. Ils expliquaient Satan à sa demeure. Ils expliquent comme la demeure de Satan dans l'église. Oui, mais à tous les maillets. Tu sais, même si tu es très intelligent. Maillet les côté devant l'église. Ton intelligence n'est rien devant les saintes écritures. Il faut nous amener à pour comprendre. Il faut que le Seigneur t'aide à comprendre ces écritures. Il faut que les gens aient utilisé par illettré. Ça veut dire que ça va te battre. Pierre, les apôtres, à Jacques, à Zadine, à l'illettré, à ta terre, au bon avant dans la difficulté à comme un combo. Il a même la difficulté de qui son nom, à Pierre, les apôtres que tu dis. Ah, mais ça, on a ma pêche, c'est ma Kenya. Ici, il y a la pêche comme un Kenya. Ah, et voilà, la main, il bat. À la pêche, bah, il est très, avec les hommes sans existence. Bateau, il y a du monde à battre la terre. Mais ce sont des rejetés que le Seigneur a pris par les gens de la ville. Il n'était pas instruit, c'est vrai. Dieu a été cinq esprits. Il a été un livre sans tout le monde. Je te dis qu'ils ont compris les écritures. Les rouleaux de l'homme, les apôtres, elles l'avaient compris. Mais par contre, sans cesse. Je suis pas ton niveau, tu vas t'en battre. Pas Jacques. Non, les Jacques. Hein. Papa, là, il y a un peu de temps. Son père, il est l'air après lui qui la pêche. On a des collègues là où. C'est là-bas que le Seigneur était allé. Jacques, non, Jacques. Jacques et Jean sont frères. Les fils des Zébédé. Wana, il y a Zébédé. Ton fils, là-bas, nous, t'as qu'à y mal. L'air plus sainté que la rivière. On est comme ça, vous. Mais tel que nous sommes là. Ah, monsieur, c'est pas qu'il n'a pas. Encore. Ah, monsieur, c'est pas qu'il n'a pas travaillé là. Les autres vont travailler dans des grands. Mais ma pierre n'a pas jamais allé, tu vas voir, parce qu'il y a là. Mais les apôtres, c'est Charles, ils sont dans la vie. Est-ce que la valeur? Est-ce qu'ils avaient de la valeur? Mais maman, les amas, mais c'était bien que le Seigneur avait pris pour ne pas avoir peur. Ah, Katina, en toi, bien aimé. Ça l'a amené à besoin. Et c'est ce que le Seigneur a plus besoin. Et que par la grâce de Dieu, et que par la grâce du Seigneur, va vous continuer. Nous serons continués. Après, Simon. Et nous croyons fermement que nous sommes tous pour la bien positionné. Notre marche, c'est pour que tu sois bien positionné. Oui, va très bien. Que tu saches bien que et que mariage est en écriture. Oui. Qu'il y a le mariage dans cette écriture, ce mais ça faux mariage. Dans ces années, pas la nous aurons le verset 14e dans 4 la balade. Et nous le prenons au verset 14 dans la balade. Mais maintenant, on a, mais dans ces temps-là, il y avait un reste où il battait la parole. Et ça là qui n'a pas battu, va battre la vie de et tout le monde, il m'a dit que vérité est bon. Et nous ne pouvons pas accepter que la vérité avait besoin. Au reste, il y a un peuple et ça là. Parce qu'il y a toujours un reste du peuple que le Seigneur que le Seigneur lui-même préserve. Que Dieu te bénisse. Ça vient pas pour et que la grâce du Seigneur est à la que la grâce du Seigneur soit sur vous. Ça vient à Seigneur et pour la vie. Que le Seigneur te fasse de ma vie. Afin que la qui te pour savoir. Que le Seigneur couvre les bons sentiers pour savoir. Pour qui sera le miné. Que la grâce de ma vie. Pour qui te s'imite en abysse pour la comédie la mabou pour nous enlever. Nous baissons nos têtes pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Nzambe qui a gardé la vie à pureté et à sanctification. Tu diras au Seigneur de te garder dans la pureté et la sanctification. Qu'il te fasse du bien. Enfin que tu ne puisses pas reculer. Prions le Dieu de Dieu. Vous avez les mains au même ennemi qui corona qui est Jésus Christ, mon Dieu, mon Larouche. Vous avez la solo puissance sauveur, Père Jésus. Nous allons contacter la Congo, la Zambie, la Biango, le Gombiro, la Sorobis, et qui met au monnaie les glorieux. Il sait quoi la Sorobie, la Biango, mon roi. Et Dieu grâce de bénir miséricorde à vos choses.
Amen. Colo a palma.